Je suis très très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Apocalypse Challenge. C'est donc l'épisode numéro 8. Déjà avant toute chose, je tiens à m'excuser. Je sais qu'il y a des bruits un peu intempestifs au niveau du micro. C'est parce que j'ai tendance à parler un peu avec les mains et des fois à taper sur mon bureau avec mes petits doigts au bout du nez. Et du coup, ça fait des boum 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 dans mon micro. Donc je suis en train d'étudier une solution parce que j'ai une magnifique perche à micro. Le problème, c'est que dans le déménagement, j'ai perdu le schmuch-truc qui sert à fixer le micro dessus. Donc je suis toujours en train d'essayer de trouver une solution. Donc je m'excuse, je vais essayer de ne pas taper sur mon bureau avec mes mimines pour ne pas que vous soyez, sourds. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous retrouvons donc Dina et Angelo. Donc vous vous souvenez, hein, on finit la semaine, on arrive en plein dans le week-end avec... des jumeaux, pas un rond, pas d'eau, pas d'électricité et pas assez pour payer les factures. Mais Dina a eu une promotion, donc ça veut dire que dès qu'on va pouvoir payer ses factures, on pourra acheter une commode pour aller les relooker et on pourra acheter des livres de bambin pour ces deux petites qui, voilà, qui malheureusement arrivent en pleine galère. Voilà, voilà, vous savez tout, on est donc parti, donc c'est le week-end, donc je crois que Dina travaille demain quand même, donc on va l'envoyer travailler, hein. Money is money, hein. Et Angelo, par contre, lui, ne travaille pas avant lundi, c'est dommage parce que c'est un peu lui qui nous rapporte du pognon, on va pas se mentir, hein. Du coup, voilà, il nous manque 870, enfin 900 simflous, quoi, donc c'est chaud cacao. En sachant que lui, depuis qu'on a plus d'électricité, lui, clairement, sa carrière, ça n'avance pas, hein. Bah, ça n'avance pas parce qu'il peut pas faire sa tâche du jour, donc, voilà. Donc, du coup, il se contente de son argent, en sachant que, bon... pour l'avancement par rapport au challenge, ça va parce qu'il est niveau 6, il est encore que jeune adulte, donc ça va, il n'y a pas d'angoisse. Mais quand même. Donc allez, on est parti. Donc j'ai du mal à mettre en lecture parce que je me dis qu'on va se taper les pleurs des jumelles en permanence. Ouais, non, mais ça monte, mais... Oh là 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 là, puis alors tout est dans le rouge, mon pauvre gars. Allez, on va y aller tranquillou. Déjà, tu vas dormir. Toi, tu vas pas te laver, il n'y a pas d'eau. Hein? Maintenant, si tu veux, tu peux aller lire un bouquin dans le noir. Bien sûr. À 22h. Attends. Tout le monde fait ça, non? Allez. Écartez-vous, les gars. Ça me fait plaisir. C'est moi qui régale. Bon, allez. Oh, puis les gosses, ça va commencer à pleurer. Là, déjà, j'en vois une bleue. Alors, elle pleure. On l'entend pas encore, mais... Ah oui, oh, dans une autre partie, j'ai coupé le son de la chute d'eau. Et visiblement, les bébés sont sur la même fréquence que la chute d'eau. Oh, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, les gars? Est-ce que vous entendez ce silence de bonheur? Ça hurle à la mort et nous, on n'entend rien. Le pied. Non, bah alors là, écoutez, moi, je suis en kiff. Vas-y, pleure! Pleure tout ce que tu peux. De toutes les façons, on s'en fout, on n'entend rien. Ce bonheur. Oh là, ce pied. En plus, vous savez, j'ai très très mal à la tête en ce moment. Et du coup, c'est un pied, mais total. Moi, je vais jouer comme ça dorénavant. Je vais pas remettre le son des bébés, de la chute d'eau. Non. Tout ça, ce sont des sons parasites dont je ne veux plus entendre parler. Non. Oui, je sais, t'es dégueulasse. T'as de la fumée verte qui sort de toi-même. Bah, c'est comme ça, écoute. Quand tu auras gagné assez d'argent, tu pourras payer tes factures et tu auras le droit de prendre une... Alors, peut-être pas une douche, mais une petite toilette de chat au lavabo. Oh, c'est bientôt l'anniversaire, ça nous arrange pas. Hein. C'est bien, mais ça nous arrange pas trop, vous voyez, parce qu'on n'a pas de lit pour vous, les filles.
Bon, sinon, ce qu'on peut faire potentiellement, c'est bosser les compétences. Je vais attendre que Dina se lève et on va commencer à bosser un peu. Genre, mais qu'est-ce que tu es bien habillée aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu es belle? Pour faire monter le charisme. Parce que bien sûr, quand tu dis aux gens, oh, mais qu'est-ce que tu es bien habillée aujourd'hui? Pouf, ça te rend tout de suite charismatique. Vous devriez essayer. C'est dommage, j'ai jamais fait. Il y avait une série de vidéos comme ça qui était qui a été un peu à la mode il y a quelques mois où c'était 24 heures comme mes Sims, quoi. Je me verrais bien aller dans la rue en disant oh, mais qu'est-ce que tu es bien habillée! À des gens que je connais absolument pas. Oui, bah oui, on va se plaindre du manque d'eau, mais bon, on va pas nous la déprimer. Déjà, t'as vu la vie qu'elle a, mon gars? Bon, alors, la barre de divertissement monte quand même très très doucement. Le truc, c'est que si je veux faire monter le divertissement rapidement, c'est crac crac. Sauf que techniquement, j'ai pas le droit de faire crac crac comme ça. Il faut que ce soit faire un bébé. Et je suis pas chaude là. Non. Alors, ce serait bien que tu nourrisses tes enfants avant d'aller au boulot, ma grande. Parce qu'après, lui, il pourra pas le faire. Changer la couche, tout ça, il va pouvoir. Alors, est-ce que c'est ça qu'elles veulent? Ouais. Voilà, nourris tes filles, comme ça, Angelo, lui, après, il fera changement de couche, papotage, machinage. Tu bosses pas aujourd'hui? Pourquoi elle bosse pas? Parce qu'elle a eu une promo? Elle travaille pas. Ça veut dire pas d'argent. Ah. Petit tremblement de terre. Mais ça n'empêche pas Dina de nourrir ses enfants. Enfin, du moins de jouer avec. Si ça, c'est pas une bonne mère. Ah là là. C'est pas ce qu'il vous faut, ouais. Et qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi t'es joueuse? Elle a un fou rire. Oula. Elle a un fou rire. Elle est malade. C'est Catwoman. Elle est tigrée. Voilà. Je suis tellement dans la mouise dans cette apo, je vous jure, je me sens pas bien. Bon, on va essayer d'aller dans cet épisode jusqu'à ce que les jumelles grandissent. J'avais pas prévu qu'on soit tellement dans la merde. Et surtout, j'avais pas prévu qu'on en aurait deux d'un coup, tu vois. Et tu rames, rames, rames jusqu'au bout de la nuit. Alors, ce qui est cool, par contre, c'est qu'on peut continuer à utiliser les toilettes. Et ça, c'est plutôt cool. Parce qu'ils auraient pu être vaches et dire pas de bras, pas de chocolat, pas d'eau, pas de toilette. Là, franchement, là, je pense qu'on aurait touché le fin fond de la cuvette, hein, c'est le cas de le dire. On aurait touché le fond de la cuvette profondément et irrémédiablement. Hein. Oh, et nous sommes en hiver. Il ne manquait plus que ça à ce tableau idyllique. Ceci dit, comme nous sommes à Strangerville. Non, pas le festival, je sais pas. Comme nous sommes à Strangerville, je crois qu'il fait jamais très froid ici. On va essayer d'arriver jusqu'au bout de cette étape. Déjà lundi soir, avec un peu de chance. Ça serait bien éventuellement qu'il ait quand même sa promo. Non, on peut toujours pas voir. Ah! Bon, tout le monde est vivant, hein. Tout le monde est vivant. Alors, franchement, je crois les pauvres. Je crois que c'est le pire apo que j'ai jamais fait, quoi. Ils sont tous hyper mal à l'aise, je peux rien faire pour les aider. Lui, il est malade, il se fait piquer. Enfin, ceci dit, non, il est pas malade, hein. Je comprends pas pourquoi il est malade. Enfin, je me comprends. Bah écoute, lui, hein. Ah, si t'es juste mal à l'aise, ça passe, non? Ouais, voilà, allez, go! Allez, mon champion! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il a encore un rhume de cerveau. Mais il va jamais s'en sortir, ce brave homme. Hein. Et toi? Alors toi, c'est les démangeaisons. C'est la misère. Franchement, c'est la misère pour eux. Ça me font tellement de la peine. Mais vraiment. Allez, courage! Il est 18h, je peux dire qu'on a très officiellement quasiment survécu au week-end. Personne est mort, tout le monde va bien. Les filles n'ont pas grandi, ça sera pour demain 8-9 heures. Voilà, elles vont être en forme pour la journée, pas besoin de dormir et
peut-être qu'on pourra payer les factures le soir. Et peut-être qu'il restera un peu d'argent pour un lit. Ou un canapé, un coussin, n'importe quoi. Une couverture, de la paille. Bah t'es malade, tout le monde est malade. Et plains-toi pas, déjà t'as juste un rythme de cerveau. Les gens ici, ils en ont plus du cerveau. Ils marchent comme ça. C'est des zombies. Allez, va t'en occuper un peu, Angelo, parce que... Dina, ça y est, c'est la best friend forever des gosses, mais toi, ils te connaissent même pas. Et voilà, fin du week-end, on reprend le boulot. Et donc, on reprend le salaire. Je suis obsédée par l'argent, je m'en rends bien compte. C'est-à-dire que dans un impôt, c'est un peu le nerf de la guerre. Ah, oh, Valentina vieillit. Alors, laissons faire le hasard. Valentina, elle est... Angélique. Oh, c'est tellement beau. Merci. Et Serena... Et pénible. Bon, bah écoute, vous pouvez pas... Un de chaque. Une pénible, une angélique. C'est magnifique. Et donc, nous avons une petite blonde. Comme maman. Quel merveilleux jeune pisseux. C'est donc Serena. Et... Ah, tu sortiras de là, ça peut être mal interprété. Une petite brune comme papa, qui est donc Valentina, qui est donc un petit ange, tandis que l'autre est un petit diable. Elles ont grandi, je vais quand même envoyer Angelo au travail et Dina au travail. J'aimerais qu'on finisse la vidéo sur leur retour de boulot, voir si on peut avoir une promo ou pas, et voir si on peut payer les factures, et comme ça on a la fin de l'épisode, d'accord? Allez, bon. Alors l'idéal, ça serait quand même de faire bosser un peu les compétences des bambins, au moins jusqu'à 3. En sachant qu'on n'a pas de peau et qu'ils peuvent pas bosser tout seuls. Voilà, pour qu'ils apprennent plus vite après. Hein? Allez. Et puis il va leur falloir aller cuisiner rapidos tous les jours parce qu'ils mangent que frais. Oh la misère, mais misère. Bon, dépêche-toi Angelo, rentre du boulot avec une promo. Montre-moi où tu en es, s'il te plaît. Pas gagné. Bon, bah du coup je pense qu'on va arrêter là le challenge. Ça sert à rien de se prendre la tête. Il aura jamais sa promo avant ce soir, donc de toutes les façons on ne pourra pas payer les factures avant demain, donc de toutes les façons on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà un petit moment que l'épisode tourne et que j'essaie de faire des épisodes assez courts pour ne pas trop vous lasser. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors il s'est pas passé grand chose, hein, si ce n'est le vieillissement des jumelles. Mais bon, on progresse. Demain, normalement, on est débarrassé de cette facture. On récupère l'eau, l'électricité et la possibilité d'acheter des choses. Donc il faut juste que les filles, bah, elles dorment par terre jusqu'à demain. Ça va aller. Et après, ça ira mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour l'épisode 9 très très vite. Ciao tout le monde!